Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point Croix. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vous fais le déballage d'une pièce de Dreamer Design, d'un Diamond Painting de Dreamer Design. Il s'agit de... Attendez. Oups. The Autumn Farm, une pièce de Dominic Davison qui mesure 80 par 60. Et je crois bien que c'est avec des diamants carrés. Alors, on va ouvrir ça. Oups! Alors, ça vient dans un sac en tissu. On peut dire la présentation est très, très belle de Dreamer Design. Avec un sac en tissu avec leur logo dessus. Bon, et là, quand on ouvre le sac, première chose qu'on voit, c'est un autre sac avec le toolkit. Alors, dans le toolkit, c'est un sac en genre de velours. Après moi, c'est un velours de coton, quelque chose, mais en tout cas, c'est un beau petit sac avec le logo de Dreamer Designs. Quand on ouvre le sac, oups, on a... Bon, alors, on a un sac en plastique avec des sacs. On a deux plateaux avec les logos de Dreamer Design. On a deux squishies pour le confort des crayons. On a deux crayons, dont un avec un embout en plastique. On a une paire de pinces avec le logo de Dreamer's Designs. C'est des pinces à bout pointu. On a un multiplaceur de 3, un multiplaceur de 7 et un séparateur. Et on a deux plateaux de 6. Alors, je passe au travers de ça rapidement, parce que je suis sûre que ce n'est pas ça vraiment qui vous intéresse. Mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on a comme outil dans un kit. Alors, et je remets un petit nœud ici. Et là, je vais sortir ça. On a deux sacs de diamants. Alors, je vais y revenir tantôt. Alors, je disais, c'était Autumn Farm de Dominic Davison. Alors, on a c'est roulé sur un rouleau en polystyrène. On a les coordonnées pour les groupes de réseaux sociaux de Dreamer Designs. Puis on a les instructions en 7 étapes comment faire du diamond painting, c'est tout en anglais. On a une languette avec les étiquettes pour les numéros. Je vous montre les symboles. Et on a 65 couleurs, dont 3 AB. Les AB, c'est un 0, un crochet jaune. Le 0, c'est du blanc. Ça, c'est du jaune. Puis un R pour le bleu. OK. Alors, je vais rouler
la toile en sens inverse pour lui donner une chance de s'aplatir. Bon, les toiles chez Dreamer Designs sont assez rigides, sont plus plastiques, mais elles sont de belle qualité. La colle est très bonne. Allez. OK. Alors, on va regarder ça. Wow! 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 OK. Alors, regardez comme elle est belle. Alors, c'est avec des citrouilles, c'est l'automne. On a des canards dans l'étang. On a des poules ici. On a, ça a l'air d'être un autre oiseau ici, ou c'est, je sais pas, non, c'est plus des traces de, OK, ici on a un, c'est quoi ça, je sais pas, c'est un panier, on a la maison ici, le, l'attracteur, en arrière on a un moulin, wow! OK. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu que vous voyez les symboles. Ici, là, vous voyez tout de suite, là, on a les crochets. Là, ça, c'est des AB. AB, c'est pour aurore boréale. C'est des diamants qui sont plus cirisés. Ça, on a des AB. Le 0, c'est des AB aussi. Il disait dans le bleu aussi qu'il y avait des AB, le R. Après moi, j'en ai-tu ici? Bien R, oui. Non, j'en vois pas ici le R. Le R serait où? Moi, qu'il soit dans le ciel. Non, je sais pas où est-ce qu'il est le R. Je cherche. Je le trouve pas. Si vous le voyez, criez! R, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, le O, on en voit d'autres O ici. Mais où est-ce qu'il est, le R? Ah, il est dans le ciel ici, regardez. OK! Très belle couleur. Alors, je vous la remonte comme il faut. Waouh! Des belles fleurs ici. On va avoir des blocs de couleurs dans le ciel, quelques lignes de couleurs dans les bâtiments. Dans l'arbre aussi, on va avoir des lignes de couleurs. Dans la table. Sinon, on va avoir beaucoup de confettis aussi, là. Ça fait que des lignes de couleurs dans l'étang. Mais ici, c'est plus confettis, confettis. Dans les arbres, ça va être confettis. Un beau mélange. Moi, j'aime ça, un mélange des deux. Ça fait que ça désennuie. Pour que ça soit trop monotone, ça va tout le temps la même affaire. Alors, on va regarder les couleurs. Alors, on dit qu'on a 65 couleurs. C'est trouvé. Ça, c'est à la fin. Ici. Bon, ça, c'est la première languette. Ça, c'est quel numéro? Ça, c'est à la fin. Alors. Excusez le bruit, mais. Pas bien le choix pour aller sortir les diamants du sac, hein? Ça fait du bruit.
que les autres vont être là-dedans. OK. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu. Alors, je vous montre ici. On commence par le 208. Alors, 209. 301. 310. On a un bon sac de 310, mais c'est le seul sac. 317. 318. 321. 340, j'aime cette couleur-là. Oh, quelle est belle, cette couleur-là. 352, et celle-là aussi, 353. Ensuite, je cherche, ensuite, on devrait être le numéro 11. Ici. Ça, c'est les 10 premiers. Oups, ici. Alors, 400, 402, deux couleurs ici, 413, un gris, un autre gris, 451, 452, 453, 472, un beau vert, 517, 5, oh, j'ai une belle couleur là, 518, 543, 554, 602 et 603, des belles couleurs. 666, 720, c'est sûr qu'on a beaucoup d'orange. 722. Les diamants sont de très belle qualité. Ça, là, on ne peut pas leur enlever. 731. Deux sacs de 731, 733, ce que tu veux, toi. Les senteux, hein, tu viens voir. J'ai un inspecteur ici. OK. Un autre verre. 140, 41, 42, 43. OK. 772. J'aime tellement cette couleur-là, 775. 801, on a deux sacs. 814, alors on est rendu au numéro 39. 827. 918. 919. Oh, il ne faut pas se mélanger entre les deux, hein, parce que je trouve qu'il n'y a pas la bouche. Je les mets un côte à côte, là. Pas une grosse différence. 935, deux sacs. 937, deux sacs. 938, deux sacs. 947, une pelage. Ici. 992, un beau bleu. 3362, on a deux sacs. 3363, on a deux sacs. 3364, on a deux sacs. 3712, elle est très belle, cette couleur-là, regardez. 3747. 37,60, 37,76, 37,99, 38,14, et finalement, les 3AB, on a AB08, un blanc, AB37, un jaune, et AB46, un bleu. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet unboxing de la pièce Autumn Farm. Regardez, une pièce de, Dominic Davison, en 80 par 60,
avec des diamants carrés de Dreamer Designs. Alors, si vous avez des commentaires, suggestions, je vous en prie, faites-les. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vous pouvez mettre un thumbs up, ça m'aide toujours. Et je vous dis à la prochaine!